la rubrique scientifique. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Chers jeunes gens. Bonsoir, comme qui dirais-je, chers auditeurs, pour cette rubrique scientifique, n'est-ce pas? Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon expérience, comme qui dirais-je, personnelle, n'est-ce pas? Puisque j'ai travaillé, n'est-ce pas, Captain Webb? Eh bien, un endroit que vous connaissez bien, le CERN. Le CERN, le centre de recherche européen. Le travail consistait en. Balayer les toilettes. J'étais donc au LHC, n'est-ce pas? Le large. Attends, carrément! Mais monsieur. Oui. Ah, on s'attendait pas à ce que le professeur Fiontus soit. Ah mais si haut placé dans la science. Je crois que l'orthopère est en train d'essayer de s'ouvrir les veines avec avec le bouteille. L'orthopère ne faites pas ça, n'est-ce pas? Alors bien, donc j'ai donc travaillé là-bas en tant que technicien. Ouais. D'accord. Et technicien de quoi? De surface. Oui, je dirais plutôt. Enfin, je préfère utiliser le terme de technicien de sol, puisque j'ai passé le balai, n'est-ce pas, plus ou moins la serpillière, sur les 27 kilomètres. Ah ouais. Quand même. La vache. Et puis, donc, c'est long quand même. La circonférence est énorme. Je n'ai pas encore réussi à la calculer. Balayer 27 kilomètres quand même comme ça, oui, 3 mètres de diamètre de tunnel, ça doit représenter un putain de. C'est-à-dire que c'est quand même assez long, hein. Mais ça me. Rassurez-moi, il coupait la main. Avant que vous passiez dans le tuyau, non? C'est-à-dire que il m'arrivait quelques petits désagréments, n'est-ce pas? Notamment mon troisième parrain. C'est donc ça, je me disais que vous aviez. Je pensais que vous étiez devenu bossu, ce qui aurait pu s'expliquer, mais en fait, non, ça bouge. Ouais, ça bouge, c'est-à-dire que je ne sais pas. Ah, il a même 7 doigts. J'ai toujours eu, hein, je vous rassure. Et donc j'ai pu muscler mes petites gingembres en travaillant toute la journée, car c'est assez difficile. Et donc le problème, c'est qu'ils ont, balancé la sauce, comme si je puis m'exprimer ainsi, de manière un peu. Légère, alors que je passais le balai. Est-ce que vous avez eu des super pouvoirs comme Superman ou comme Daredevil? Eh bien, à vrai dire, je me suis chié dessus. Mais ça, c'était juste avant m'être pissé dessus. Vous savez qu'on peut vous les racheter au Canada. Hein. Ah oui, ah oui. Eh bien, je vais bien l'envoyer, j'ai bien noté. Les colliers d'excréments de professeur Fiontus. Ça, c'était dans l'Illinois. Mais j'ai déjà. Mes premières expériences étaient basées là-dessus. N'est-ce pas? D'accord. Lorsque j'avais 5 ans, je me rappelle avec ma maman. Vos bons vieux souvenirs. Donc, professeur, que s'est-il passé? Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de phénomène acoustico-scientifico-électronico-atomico-quantomique-métaphysique. Entre autres. Exceptionnel, puisque certaines personnes se sont téléportées directement, c'est-à-dire une interdimensionnelle du passage qui a créé une sorte de porte interdimensionnelle, où certaines personnes se sont, certains individus se sont apparus devant moi. Oh, et qui devant, était-ce et devant plusieurs scientifiques reconnus et méconnus CERN. Qu'on résume. Donc vous étiez dans le tunnel. Absolument. Ont branché la machine. Oui, alors là, j'ai commencé à sentir les trucs, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que c'est. Là, vous avez déféqué, d'accord, on était là. Oui. Et il y a eu des apparitions. Vous étiez à côté du. Mais vous n'étiez pas dedans non plus. Et là, c'est bien des déjections et pas des défections. Effectivement. Enfin, ce sont des défections. Et donc, j'étais effectivement à l'intérieur du tunnel lorsque le phénomène incroyable s'est produit. Que s'est-il passé? Eh bien. 3 individus, ou plutôt 4 individus, sont apparus devant moi de manière exceptionnelle. Oui, un peu comme cela. Et alors, j'étais au milieu, je disais, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et tout. Et là, j'ai entendu les électrons qui ont commencé à me balancer dans le fion. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh my god! I'm flying! Et tout. Dans le fion. Et je me suis retrouvé par terre, et là, devant moi, est apparu Barney Junior. On revient à Barney, je crois que c'est une obsession. Vous attirez les Barney? Mais c'est possible. Le problème, c'est qu'ils sont restés collés à moi et qu'ils sont avec moi actuellement. Oh non! Ah! Allez, voilà! Non. Je vous rassure, ils ont été miniaturisés à 1/100 de leur taille. C'est pour ça que je les ai ramenés dans mes poches. C'est encore trop grand, je pense. Donc, je vais faire parler Barney. Coucou Barney. Bonjour les amis, je parle! Barney Junior, je suis le fils caché de Barney. Grâce au CERN, j'arrive vers vous. Je suis ici parmi vous, les copains. Bon, il y a aussi. Il parle drôlement fort pour un être miniaturisé. On a un bon micro. Heureusement qu'il est miniaturisé. Il y a aussi le cyclope hydrocéphale nain unijambiste.
que j'ai nommé Bill. D'où vient Bill, quoi? Est-ce qu'on peut demander à Bill d'où il vient? Vous pouvez le sortir, là, de votre poche? Ah oui, il est là. C'est Bill. Salut les copains. J'ai un œil au milieu du frou-frou. J'ai une petite jambe. Et j'ai deux têtes. Ce qui fait deux yeux pour deux têtes. D'accord. Merci Bill. D'accord, mais vous venez d'où Bill? On se vient d'une autre dimension. D'accord. La LTP dimension. Une dimension parallèle où tout le monde mange des bonbons. C'est horrible. Il y en a peut-être d'autres, non? Oui, il y a aussi. Je n'ai pas réussi à comprendre son nez puisqu'il s'agit du poney de l'enfer. Oh. Attends, je fais le poney de l'enfer. Irflusk, l'irlux. Irflux, l'irlux. Ouais, c'est moi. Eh, j'ai du trou noir, pire que le désespoir. On m'a dit que j'étais arrivé en Suisse, ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'ici, ça sent la pisse. J'ai déboulé dans le tunnel, j'ai vu une bande de brêles. Il y avait des moutons blancs, il y avait de la moustache à Francis de... Ils m'ont dit que je devais rester, que c'était pour faire avancer la science. J'ai décidé de leur mettre mon sabot dans la face, leur ai bien niqué la race, ouais. Eh quoi, eh c'est moi, sans son sang, le poney de l'enfer. Le roi du Big Bang, c'est le roi du gang bang. C'est le king du trou noir. Ok, ça c'était mais le poney donc. C'est marrant parce que le poney me rappelle quelqu'un, je sais, j'aurais dû. Alors oui, c'est-à-dire que en voyant sa tête, j'ai cru qu'il s'agissait d'un poney. Hein. Il me dit qu'il s'appelle les psychétalas. Je sais pas s'il y a un rapport évident ou pas. Il y a quelque chose, il y a un air de ressemblance. Il y a un air. Il ouais. Y a peut-être une planète uniquement peuplée de MC Katana. Oh. Et de poney. Théorie très intéressante. C'est tout à fait possible. Et donc, je vais retourner au CERN ce soir même, hein, afin d'essayer de ramener d'autres personnages. Non, c'est pas la peine. Vous savez quoi, vous les laissez, on va les écraser, ça va être vite réglé. un bon coup de pompe et. Ils ne veulent plus vraiment me faire rentrer à l'intérieur, quoi. Ah bon? Ah bah oui, on se demande pourquoi. Mais vous, à part le bras-bras, il n'y a pas d'autres mutations génétiques qui s'est... J'ai une autre jambe. Ah, il y a trois jambes aussi. Enfin, quatre. Et au fait, comment va votre animal favori, le... Le cucurbitus. Oui, le cucurbitus. Ah oui, est-ce qu'il avance? La miamiette va bien? Eh bien, écoutez, il avance et il est actuellement à 2 cm. 2 cm. Eh oui, mais c'est très bien. C'est il a accéléré, est-ce que 2 cm ouais, en 3 mois, c'est beaucoup. C'était 1 cm par an, il me semblait. Il a mis le turbo. Il a mis le turbo. Quelqu'un a une grosse miette aussi. Peut-être que quelqu'un l'a aidé, quoi. Ah, peut-être. Peut-être, c'est possible. Peut-être ce poney. Ok. Okay, c'est tout, Professeur Fantus, ou il y a encore des petites news du CERN? Non, pour l'instant, ce sera ça. Je reviendrai prochainement. D'accord. Pas obligé. C'est pas la peine de se presser. Hein, parce qu'on a beaucoup d'invités prévus pour les prochaines semaines. Ouais, c'est possible avant un bon moment. Au 2012, je pense, pour la fin du monde. Peut-être. Ouais, voilà, c'est possible. Ah, ils l'ont prévu au CERN. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils arriveront à vous renvoyer dans votre dimension. Vous tapez CERN sur Google, vous allez voir, il y a des vidéos, il prévoit. CERN 2012. Ok, d'accord, c'est parfait. On va récupérer Manox peut-être. Oui, hein. Au revoir, professeur. Au revoir, professeur. Au revoir, les jeunes. Salut. Donnez-nous le plan pour revenir ici avant de partir. Hein. Pas de problème. Ok, merci. Okay. Manox, re-salut. Salut. Bravo. Ben ouais.